need a bond. D'être honnête et de parler. J'ai failli ne pas venir. J'ai laissé mon témoin. Quand il m'a vu, je me dis, bon, il y a fait beaucoup d'activités. Et ce matin, j'ai la réunion de coordination de mon département. Et donc, comme c'est une réunion technique, qui se déroule d'ailleurs à la salle de réunion du département, je lui ai dit, bon, hein, lui-même, il est une autorité et qu'il lui revenait de présider. Parallèlement, c'est un ami de longue date. Donc, il m'a dit, non, il faut que le commissaire vienne parce qu'habituellement, c'est le commissaire qui préside. Je lui ai demandé la composition de lui. Il n'est pas allé dans les détails que je vois maintenant. Et il ne m'a pas dit qu'il y avait même une caméra et tout. parce que ça change un peu. N'est-ce pas? Donc, et je venais juste pour dire un mot et parti. Mais là, je suis obligé de lire quand même le discours qui a été préparé. Et donc, je voudrais que, à l'avance déjà, soyez indulgent parce que j'avoue que je n'ai pas travaillé. Je vais essayer de le lire comme ça. Bien, et deuxième point qu'il faut clarifier, je ne suis pas là en tant que commissaire d'arrêt. En tant que commissaire, c'est vrai, je suis ordonnateur et délégué, suppléant et consort, mais je suis venu en tant que assurant l'intérim du commissaire intérimaire. D'accord. Donc, au deuxième degré, le commissaire intérimaire étant absent, j'assure son intérim. Et vous voyez, notre partenaire l'a dit, tous ces intérims sont liés à quoi? À cet événement malheureux qui nous a frappé et que nous sommes en train de vivre encore, et on n'a pas oublié notre frère, notre collègue, le commissaire Ibrahima Djimé, dont la mémoire reste encore vive dans nos esprits, et qui nous a quittés, dont l'engagement était connu, vous l'avez dit, mais nous également, qui sont ses collègues, nous le disait. Donc je voudrais très humblement vous demander qu'on observe une minute de silence en sa mémoire. Thank you.